moi, quand moi je serai grande, et ben tu sais qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire des becstags. Bienvenue à tous à cette petite séance d'information informationnelle autour des bienfaits de l'allaitement. Hein? Toi, tu savais pas pourquoi t'étais là ce soir, hein? Alors, quel est votre rapport au plaisir, à l'orgasme? Un bon but, bien mis dans la première période. Tout le monde est content, on va boire une lèvre, hein? Franchement, Bernard, vous êtes une belle femme, hein? Où vont-ils, ces braves petits soldats? À la bataille de Reichshafen? Pas du tout! Papa est dans ma main! C'est comme ça dans la nature! Je te vais conseiller de m'ajouter. Stoïcidara, ce n'est pas du tout l'appétit de parler de ma sexualité en public. Allez, venez, Milan! Vous asseoir, madame! Si vous voulez, ici, c'est comme un homme! Alors là, Milan, je ne suis jamais venu ici! Vous comprenez quand je parle, hein? Vous entendez pas peut-être? Vous entendez? Vous entendez? Je ne puis demeurer ainsi te sentir, car dès que tu t'absentes, tes fragrances te meurent. Ils me font du fébrèse, sinon c'est moi qui meurs. Quand je vois quelqu'un, un homme qui me plaise, j'ai l'impression que... comme mes jambes deviennent un peu comme la piste dall'aeroporto, hein? Avec les petites lumières qui indiquent la réaction, hein? Oui, bah excuse-moi, chérie, mais pour moi, Picasso n'était pas peintre. Puis alors ça se voit, mais alors, comme le nez! Au milieu de la joue. Je dirais qu'en ce qui me concerne, j'ai le sentiment avec ma sexualité de disposer d'une forme d'arme géostratégique domestique. Je crois que les dames, elles ont toutes compris, hein? Qui fait que quand je suis, elles applaudissent même, les salopes, hein? Moi, je suis comme ça, je le vois pas, je l'entends pas, et tout d'un coup, quand ils s'y attendent pas du tout, je les regarde et je les pardonne.